spectacle. Tout est différent à la radio associative, la pub, les animateurs. Samedi soir, 20h, au Café Théâtre Bistrot, la voir, location de casse-tête, la brouette rouillée, le pianiste Tata Boutlamine. D'origine nigério-dakaroise, le pianiste Tata Boutlamine joue avec un seul doigt suite à un accident de moulin à café. Tata Boutlamine, un son unique. Il vous interprétera des pièces comme Do dièse, Sol bémol et plein d'autres. Tata Boutlamine, tous les billets sont disponibles. Bonjour, bonjour. Ici c'est Louis-Paul Fafarlard, je remplace Thierry. Mais en fait j'ai demandé si je pouvais le remplacer et il m'a dit ben c'est bon, tu me remplaces. Mais il avait seulement à moitié raison, je le remplace mais c'est pas très bon. Il y a mon papier qui est par terre si vous permettez. J'ai comme invité un groupe qui... Salut. Salut les gars, alors c'est le groupe Ça se passera pas comme ça. Salut. Et bonjour. Salut. Alors vous êtes trois? Bon, enfin quatre, mais il y a Gérald qui est pas arrivé encore. Ah, il est pas arrivé, d'accord. Il va pouvoir rentrer, oui. Ouais, je crois pas que c'est verrouillé. Ok. Vous avez un style de musique qui est un peu... Ouais, bah c'est nécessaire d'avoir un style comme ça, parce que tu sais, Ouais, absolument. Tu sais, nous, les Spice Girls et toutes ces conneries... Elles sont séparées, là. Ah bon? Maintenant, elles s'appellent les Spice Girls tout court. Et puis on a une cassette. Oui, je vois les titres de chansons ici, c'est assez révolté, comme ouais, putain de gouvernement, ça, toi oui. Et ta putain de safran. Ouais, ça parle d'un ministre. Et vous poussez ça assez loin, en bas c'est marqué tout putain de droit ouais, réservé, bah, numéro du disque TH putain ouais, 023. Bah, et sur la photo, vous baissez vos pantalons, c'est probablement pour montrer votre révolte. Ouais, d'ailleurs, je me suis pris un coup de soleil en plein sur la révolte. Et quel est votre. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est votre musique? Quel est le. Principalement, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudrait changer de monde, faudrait changer de gouvernement. Faudrait... Bon, enfin, c'est pas un peu facile à dire tout ça Ben, je sais pas, t'as quelque chose de plus difficile à dire Peut-être, attends. Tiens, tu veux essayer de lire ça? Attends, voir. Ingrid Inkelmperderler. Non, c'est Engelbert Emperding. T'as raison, c'est pas facile à dire ça. Et vous faisiez quoi avant de faire de. Bah, moi je bossais dans une charcuterie, alors je vendais des saucisses. Ah ouais, alors ça tente. C'était archi difficile et archi déprimant. Et archi polata. Alors on peut peut-être écouter un extrait de votre cassette. Ouais, la première chanson peut-être. La première, ouais. Elle représente bien, si vous voulez, le côté. Le côté. Le côté A. Ouais, c'est ça. Oh merde, on dirait qu'elle a... Tu l'as bousillée, là. C'est une cassette qui vient tout juste de sortir de studio, suivie du CD, probablement. Non, elle vient tout juste de sortir de ton magnéto, suivie de 3 mètres de ruban tordu. Ouais, mais... C'est con, parce qu'il y avait une belle chanson d'amour tout de suite après. Ah oui? C'est pour ma copine, une belle rousse. Mmh. Je l'ai rencontrée dans une rêve, on se donnait des coups d'épaule, et elle est tombée par terre, et elle est tombée amoureuse de moi. Ben, c'est comme on dit, il faut mettre l'épaule à la rousse. Et... Combien de chemises peut avoir un chanteur comme vous? Qu'est-ce que c'est que cette question mais... Bah, c'est pour la curiosité de ceux qui nous écoutent. Mais personne ne veut savoir ça. Bah justement, personne ne nous écoute. Je sais pas, moi, 5 ou 6. Eh ben voilà, je vous remercie tous de ta visite. Ouais, bah, c'est rien, et puis félicitations pour votre radio, enfin. Merci. Tu sais, dans les radios commerciales, c'est des cons, ils disent que des conneries, et ils passent que des succès, alors que vous, au moins... Bah, on passe pas de succès, en tout cas. Voilà.